m'appelle Hélène Dieu. Depuis longtemps que j'ai été formée par mes grands-mères pour le travail du kaolin rouge. Avec cette planche de padou que j'ai pris pour faire le kaolin rouge. Et cette planche s'appelle le padou. Je prends deux planches, le plus petit et le plus grand. Je porte le plus petit sur le plus grand pour faire sortir le kaolin rouge. Mais en portant ce kaolin rouge, quand je commence, pour commencer, je mets de l'eau, un peu de sable pour gratter la planche et que ça passe facilement pour me faire sortir ce produit. Mais la caravane est arrivée. J'y ai su participer pour la fête de la caravane. J'ai commencé à faire le kaolin rouge et j'ai encore amené aussi mes filles pour les informer à. C'est comme l'héritage de notre maison et que je les apprenne à faire aussi le kaolin rouge. Et ce kaolin, partout dans les cérémonies, j'ai l'habitude de le faire. Il y a les commandes, les cérémonies, les rites de deuil, les mariages. Comme si quelqu'un aussi a besoin de ça, même pour les fiançailles. Elle a envie de prêter ça aussi au corps. Elle vient me voir, moi je lui fais ça. Et une boule à mille francs. Et c'est mon habitude. Toutes les vacances, j'ai l'habitude de faire le kaolin. Pendant toutes les vacances, les grandes vacances surtout. J'étais au village. D'accord. Quand la grand-mère faisait, moi aussi je voyais. Il y a d'autres qui font avec les feuilles pour que le kaolin sorte beaucoup. Mm-hmm. Et moi j'ai commencé à faire ça avec le côté de sable. Et seulement je ne mets pas beaucoup du sable, on met seulement qu'un peu. Pour que ça ne soit pas beaucoup. Si c'est beaucoup, quelqu'un va frotter au corps. Ça va lui faire les gratitudes, sur le corps et ça va lui faire. C'est ce que j'ai été convaincue pour faire le travail. C'est ma fille, l'avant-dernière. Elle s'appelle Vou Avon. Elle est venue pour la formation du kaolin. C'est ce qu'elle a fait de faire. En formant, elle a fait sortir deux petites boules. Après, c'est l'autre qui va passer. L'autre. C'est bien. Pardon? À faire le kaolin rouge et leur apprendre ce métier de faire le kaolin rouge. Parce que si demain, ils ont besoin de ça, ils ne vont plus aller dépenser de l'argent ou bien aller gratter la tête derrière une ou deux autres personnes. Eux-mêmes, ils connaissent déjà le métier, ils vont le faire. Et quand quelqu'un aussi va venir faire eux, ils vont aussi faire pour que la personne-là leur donne de l'argent. Quand ils ont. Mais l'on s'en sert pour oindre les candidats à la circoncision. Et également les femmes qui rentrent dans leur première menstrue. Pour savoir qu'une femme est déjà. Pour ceux qui se marient. Parce que quand elle est très sèche, elle ne peut rien donner. Il faut qu'elle soit humide pour que le frottis puisse donner un rendu beaucoup plus rapidement. Servait aux guerriers
Quand ils allaient en guerre, ils se soignaient de l'Ecola, comme font les Indiens d'Amérique. Vous avez vu dans les films, les Indiens d'Amérique qui faisaient les peintures de guerre. Oui.